c'est un diesel ce Twitch, c'est un truc de pouf. Et coucou Twitch. Ah non, c'est pas encore. Pas encore. Pardon. Pas encore. C'est bon, c'est bon. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Nicoco. Il y a Kata qui a eu. Bonsoir Kata. Hello. Il y a Monsieur Gaël. Bonsoir Gaël. Et bonsoir. Quelqu'un. Et un nouveau, un petit nouveau. Quoi. Mike Motors, bonsoir à toi, Mike. Salut, salut. Voilà. Donc ça y est, on a ouvert le On a ouvert le petit serveur. J'espère que j'ai pas pété les plombs, ce soir. On a ouvert le petit serveur pour Streambox. Alors je remercie bien sûr Gabi et Kata qui ont tout fait pour que le serveur marche nickel et tout pour ce soir. Donc ça fait plaisir. Oh, de rien, de rien. Donc du coup, alors Mike Motor ne connaît pas le jeu. Alors il connaît un peu parce qu'il a vu des extraits et puis qu'il suit mes lives 24 heures sur 24, bien sûr, en tant que meilleur ami. C'est normal, quoi. C'est normal, Mike. Par l'autre côté, Mike, tu veux monter. Et du coup, on va lui expliquer ce soir un peu comment ça marche. Et en même temps, voilà, il va s'améliorer et puis il va construire sa propre maison, tout ça. Ah non, donc, on va pas là. Donc du coup, voilà, ce que je propose dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a prévu, c'est au niveau déjà, niveau troc. Voilà, déjà, on va parler de ça. Au lieu de se donner des choses, on va s'échanger des choses. Et j'ai même une idée, si ça vous dit, et là on va le calculer, de se servir des pièces. Peut-être, ça pourrait être bien. Vraiment se servir de la monnaie. Moi, je pense que le cours du sanglier est plus cher que la piastre. Oui, il faudrait voir. Il faudrait le calculer, le faire petit à petit, parce que c'est vrai, pour calculer tout ça, il faut la monnaie, mais inventer peut-être une valeur dans c'est un truc à voir. Donc, penser à ça, le mettre de côté. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, si on fait ça, on fera une zone commerciale où on mettra chacun notre petite maison pour faire le petit marché. Ça peut être sympa. On a prévu une arène, peut-être au centre, ou vers où on le mettra. Qu'en gros, si y en a qui sont pas d'accord sur un point, eh ben ils se tapent dessus. Et c'est celui qui gagne qui a raison. Enfin, on va pas chercher midi à 14h, ça peut être sympa. J'avais une idée aussi. Dans l'idée de la raid, après ça, j'en ai pas parlé encore, donc c'est une proposition que vous faites de trouver une zone où il y a vraiment de la forêt, un truc presque comme une île, de la barricader et en faire un style un peu Hunger Game, tu vois, une sorte d'arène un peu plus grand, sauf parce qu'en fait j'ai vu que sur, parce que j'ai dit en fait on peut se voir sur la map, mais non, parce que justement on peut s'enlever de la map et donc ne plus être visible. Et dans l'idée, ça serait de justement se trouver et s'attaquer en PVP, etc. Quoi. L'idée, ça peut être sympa. Quoi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais prévoir ça à un moment donné, quand on sera un peu plus avancé dans le jeu, et trouver une zone où on se dit, ben voilà, on fera un genre de mini-jeu comme ça, où ça fait une grande zone de forêt, essayer de se choper. Voilà. Pour se combattre et tout. Je ne sais pas si ça vous dit, mais ça peut être bien. Voilà. Pourquoi pas? Quel enthousiasme, mais quel enthousiasme! T'as vu? C'est pourquoi pas? Je peux te taper, y a pas de soucis. Donc, écoute, Mike et Gaël, si vous voulez, je vous montre. Vous avez fait un peu le tour des maisons? Vous avez regardé un peu? Ouais, j'ai trouvé l'endroit où j'allais m'installer. Aïe aïe aïe. Je suis sûr, c'est là où je vais. Tiens, tu as trouvé mon établi? Non, y a pas d'établi. C'est pas... venez avec moi, je vais vous montrer moi, ce que j'ai trouvé. Vous êtes où? Mike, il est là. Moi, je suis un peu plus loin. Je fais le bunny, moi. Ouais, mais tu fais bien parce que ça t'augmente la compétence. Bah, oui, c'est ce que je fais vu que je sais rien faire d'autre. Ouais. Mais par exemple, si tu me tapes dessus, ça va t'augmenter le compétence à menu. Par exemple. Même si je tape dans le vide, en fait, ça le fait. Ah ouais? Bah, enfin, tout à l'heure, j'ai mis un coup dans le vide et ça a fait quelque chose. Il est juste. J'arrive. Ah non, c'était un fake. Mais du coup, je vais y aller. Et viens avec moi, Mike, et je te montre où c'est que je vais installer. Oui, j'arrive. Je vais péter sa gueule à lui ou quoi? Et je vais péter la gueule à des. Et je vais t'expliquer juste après ça ce que tu peux faire pour commencer. Hop. Voilà, ça va être là la zone que j'ai trouvé sympa. Oh, il est autre que dalle, ils font chier. Si, si, mais peut-être c'est moi qui l'ai pris. Alors là, c'est un morceau de bois, une résine.
Non, 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 attends, viens, il y a mieux, il y a plus simple, viens-moi. Donc ça va être la zone où je vais m'installer, qui est plutôt sympa. Ok, bon. Voilà, donc j'ai mis mon petit établi ici, quoi. Mon abri de jardin. Ça, tu connais les abris de jardin, monsieur mec. Donc voilà, ça c'est ça. Alors j'attends que Gaël vienne. Ça, oui, il faut pas le... J'arrive, j'arrive. Tu me diras ce que t'en penses. C'est ça, là? C'est ce, ici, ce, ouais. Terrain, ce terrain vague, là? Ouais. Et en gros, là où il y a les pierres, là, j'aimerais calculer pour faire passer un pont. Voilà. D'accord. Aussi. Pour voir bah, s'il y avait les pierres. Dis-toi que c'est juste en face. Ah, tu vois. C'est un poil plus loin. La même idée. Et ouais. Là où c'est un plat, là-bas, c'est, ça va être Gabi, là, qui va être là, en face de moi. D'accord. Donc, voilà, ils sont déjà appelés. Et c'est pour ça qu'il y a une maison, là. Ah oui. Ouais, c'est mon établi. Ouais. Alors, viens bah, voir, Mike. Tous les peuples pètent des branches là. Ouais, viens voir, viens voir. Alors, attends, on va essayer de voir si on en trouve. Parce que par terre, tu verras des bois, des morceaux de bois. Par contre, la caillasse se fait rare. Hein. Il n'y a pas de par terre, la caillasse. Ouais, si, Alors. Voilà. D'ailleurs, j'en cherchais. Je te montre au début comment ça se passe. Là, t'es, regarde, il y en a un morceau. Et là, tu peux trouver des trucs comme ça par terre. Donc, tu ramasses. Normalement, maintenant, quand tu fais ça, t'appuies sur table. Alors, tu n'as pas encore assez, mais. Et tiens, le truc de craft. Et il faut, en premier lieu, faire le bâton. Voilà. Le bâton, il t'en demande 6. 6 morceaux. Voilà. Tu fais ça, et après, tu te fais une hache. Attends, je vais péter la gueule à lui, là. Attends, je vais t'aider. J'aime bien péter la gueule des trucs, moi. Oh, t'as vu, t'as fait un coup critique. Si, je dégage une chaleur. Tu vois, je l'ai tapé par derrière. Je suis un. Fourbe. Un filou, moi. Non, j'éteins ton ordi là parce que. Alors après, tu verras de par terre, il va y avoir des framboises aussi, des arbres, des petits arbustes. Ça ressemble à ça à peu près, mais avec des fruits dessus quoi. Donc, on va trouver. Alors, c'est quoi des dents de lion. Heureux, messieurs. Des dents de lion, ça m'étonnerait. Mais c'est en anglais, c'est... moi. C'est marqué dents de lion. Du nom de Lyon, c'est le petit patron d'antenne. Pissenlit, quoi. Va dans paramètres, tu peux le changer. C'est vrai que... Oui, il faut que je redémarre le jeu. J'ai la non, je crois pas. Non, non. Tu fais... Pour le mettre en français ? Ouais. Ouais. Si, si, il faut redémarrer. Ah, merde. Ok. Bon, bon, vu que j'ai la flemme, on verra plus tard. Ouais. Et vu que tu es censé connaître un peu l'anglais, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. Alors, là, pareil, les cailloux, tu vois, il y a des... Bon, tu t'installes où, là, du coup ? Des simples... Attends, deux secondes, Qatar, j'essaye d'expliquer un peu à Mike comment ça marche. Du coup, il y a aussi les cailloux, c'est comme les morceaux de bois. Les cailloux, tu peux les ramasser par terre, donc il faut les trouver. J'ai piqué deux, pardon. Normalement, t'es, voilà, les framboises. Hop là. Ça, voilà, les cailloux, c'est ça. Hop. Voilà, je récupère comme ça. Hop. Attends, le sanglier, on va y aller à deux parce que... Ouais, je me suis fait tuer. Voilà, ramasse ce qu'il faut. Je t'ai mis un coup sans faire exprès, désolé. Non, non, mais tu me fais pas mal. Donc, y a pas de friendly fire. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, si, il y a, mais il faut l'activer. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien aussi, s'il est pas activé, hein, de se prendre des coups perdus. Oh. Attends, il va revenir. C'est bizarre, ça. Voilà, donc pour le moment, alors, tu fais ton bâton et ta hache après. Donc, tu regardes, il y a encore des pierres, il y a du bois. Après, si tu veux, au lieu de mettre 3 heures à chercher du bois, je peux t'aider en coupant du bois. Comme ouais, sinon, et je peux pas péter des branches ou quoi, des trucs tout faibles hein. Oui, au pire, ouais. Au pire, mais c'est un peu long, je pense. Ouais, ça me fait taffer le. Ouais, bah pourquoi pas. Le combat main nue, hein, de toute manière. Je regarde pour la bouffe si je trouve des trucs, des framboises et je te montre. Donc voilà. Donc en gros, pour le moment, tu fais ça. Après, sur le craft, mais tu as donc une fois que tu as fait ta hache, tu fais le marteau. Et le marteau, c'est grâce à ça que tu vas faire ton établi et ton abri et tout, etc. C'est ça qui te sert à crafter. Alors sachant une chose, quand tu auras fait ton établi, s'il n'est pas sous un abri, il sert à rien. Il te servira juste pour limiter ta zone de construction et pour faire tes murs en bois, tout ça. Quand tu as fait ton abri, donc en gros, l'abri c'est tout simple, c'est du bois, des planches autour de lui avec un toit. Si tu fais juste la limitation de lui, c'est pas obligé que ce soit fermé. Voilà.
D'accord. Donc il faut que voilà, juste qu'il ait un toit au-dessus de lui pour fonctionner. À ce moment-là, tu pourras réparer gratuitement tes outils dessus. Donc t'as pas consommé d'objets ou quoi que ce soit pour t'en servir. Donc c'est plutôt bien. Et, okay. Et après tu pourras voir pour un arc, pour d'autres trucs et tout. Donc ça peut être sympa. Et c'est voilà, c'est à ce moment-là. Ou même la houe va te servir à planir le sol et tout. Okay. Alors, si les biches ne cherchent pas à les attaquer, tu n'y arriveras pas, c'est que à l'arc. Voilà. Bon, il fallait tout de suite qu'il commence à dire que je suis une merde. Non, mais. C'est ce qu'il a dit, ouais. C'est... Ça se fait au cac. Globalement. Ouais. Non, les biches, ils ont ultra instinct, comme on dit, même avec à l'arc, quand tu les vises, elles le savent. Elles savent que tu vises, elles se barrent. Ouais. Elles changent de direction. Si tu essaies de dire je vais l'attendre là, parce qu'elle est en train de courir vers là, non, tu verras que juste avant, elle tourne, elle fait demi-tour. C'est un truc de biche quoi. Et ouais. Par contre, Qatar, il a pété toute la forêt là. Oui, mais ils ont attaqué hier. Hein. Ça y est, les oh là, voilà, attends, je vais me casser de là. Ouais, ah oui, parce que voilà, il faut comprendre que les arbres font des dégâts. Génial. Voilà. Ah, j'ai raté mon coup, je suis déçu. J'avais pas vu que t'étais là, Qatar. Oui, je fais tomber des arbres. J'ai pensé, allez. Voilà, et en gros, voilà, un arbre fait des dégâts, et si par exemple il tape un autre arbre, et eh ben il peut le one-shot l'arbre et puis il tombe aussi. J'ai vu tout à l'heure que ça prenait des dégâts parce que j'avais vu une bûche de bouleau par terre, je me suis dit, je vais taper dessus, on va voir ce que ça fait. Ouais. Et ça a absolument rien fait à part le fait que je prenne des dégâts, donc je dis, bon, bah, je vais m'enlever parce que par me faire tuer par une bûche, j'ai pas fait grand chose. Alors pareil, bah ouais, c'est clair. Alors pareil, quand t'es au bord de l'eau, c'est là où tu trouves du silex. Le CX, ça sera pour des armes un peu plus améliorées, pour même des flèches améliorées, etc. Même la lance. Pour la lance, c'est du CX. Et voilà, donc il faut bien penser que voilà, chaque chose. Alors il y a l'Enix aussi, il y a des genres de lézards au bord de l'eau. C'est un peu comme les sangliers, tout ça. Ils te donnent des queues de l'Enix. Donc ça te sert comme nourriture. Mais après, plus tard, ça va servir pour d'autres choses. Voilà. Donc, chaque chose. Déforestation, quoi. Ouais. Et ouais, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'ils sont tout rasés, et du coup, il faut aller un peu loin pour chercher des arbres, parce que ça repousse. Voilà. Mais après, les est-ce que vous avez assez de bois, les gars? Ouais. C'est sûr que là... Du coup, j'en ai récupéré dans le tas qui a taré. Mais tu fais bien, hein, Donc, bah, je vous en coupe. J'ai mis à peu près 10 minutes pour trouver 3 morceaux de bois, donc... Oui, c'est pas de souci. Donc, en gros... Ah, t'as ce qu'il faut, là. Moi, je vais en profiter pour aller réparer mes trucs parce que ma batte de baseball, j'ai un bout de bois. Du coup, je vais faire la hache. C'est ça que tu m'as dit, hein. Hache et après le bois. Ouais, la hache pour justement récupérer plus facilement du bois. Donc, voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que normalement, quand tu vas sur un établi, tu dois logiquement appuyer sur le bouton réparer 50 000 fois pour te réparer. Sauf que là, dans ce serveur, direct, automatiquement, ça te répare. À peine tu cliques dessus, tout est réparé, donc c'est plutôt pratique. Oh là, il y a un bug là sur ça. Et ça coûte rien en ressources de réparer? Non, rien du tout. Non. Putain. Tout ça, il y a un bug. Eh ben en fait, je peux pas construire au sol. Ah, et ça me fait merde. Mes constructions sont faites en hauteur. Ouais, mais ça l'a fait à un autre... Un centimètre au-dessus. Ça l'a fait à un autre... Et du coup, je peux pas construire. Ah ouais, ça doit être la zone qui est buggée alors. C'est où tu l'as fait? C'est vers où là pour... Je suis regarde la map. Comme ça sera plus simple. Ouais, j'enterre, ok. Je te vois. J'enterre. Ouais. Pourtant j'arrive à mettre mon... Essaye de construction au sol. Ouais. Mais le reste, je pose un truc inferne. Ouais, mais Gabi, justement, il a eu le même problème cet après-midi. Et on a dû restart le serveur. Je fais autrement. Ouais, essaye de voir dans une autre zone, encore, on sait jamais. Non, mais je construirai à côté, ça a l'air... 2 cm à côté, ça a l'air de marcher un peu mieux. Je vais juste faire un abri pour un établi, quoi, c'est tout. Okay. C'est étonnant que ça bug pas ça, hein. Bah ouais, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Parce que justement... Ah ouais, je l'ai eu aussi à un moment. Ah ouais, oh putain. Ça va être pénible. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité, mais...
Ben, je vais aller voir, je vais aller sur le terrain Gabi parce que non, ça avait bugué. Bah, tu vois la zone à Gabi, je peux pas construire dessus moi. Ah ouais. Je trouve ça très étonnant. Parce que je moi, sais pas si toi tu peux, nickel, mais. Donc, peut-être que là ça marchera pas, on va voir. Tu sais les construire dessus oh, attends, est-ce que j'ai du bois déjà? Oh, attention derrière toi! Enculé. Tout ce que t'as pris. Triple attaque quoi. Ouais, c'est clair. Oh. Oh, les mix, ça, qu'est-ce qui se passe? Un sol peut-être, essaye. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois, ça marche. Moi, ça marche pas. Tu vois, c'est bizarre. Il y a cette zone, elle est maudite. Ouais. Pas pour moi. Ils ont dit, ah, mais c'est lui qui fait le live. Ah, bon, ben allez, on va laisser tranquille. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais. J'ai tué un cerf ici, j'ai pas trouvé mon butin. C'est un peu chelou. Tu l'as pas tué. Si, si. Quelqu'un te l'a volé, peut-être. Je sais pas. Il y a Mike quelqu'un est peut-être tard, passé dessus entre temps. Il t'a ball chase. Il m'a biche chase. Bijoule. Donc n'hésite pas, Mike. Je te laisse découvrir. Il faut pas hésiter à suivre les instructions du corbeau quand il te parle. Donc c'est vrai, bon, c'est en anglais, hélas. Voilà. Et à force, voilà, tu y arriveras tout seul sans problème. Oui, bon, je pense que d'ici quelques temps, au pire, je me ferai une partie solo pour me mettre alors, bien ce dans. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu feras ta partie solo, tu peux prendre ce personnage-là et tout ce que tu as sur toi dans ton inventaire, tu le prendras avec toi aussi sur ta partie solo. Voilà. Voilà, donc de base, tu peux commencer et expérimenter, ou sinon, pour éviter de trop devancer le truc, tu peux créer un autre perso, pour essayer de découvrir comme il faut les choses, voilà. Donc c'est toi qui vois avec ça, quoi. Fais ta sauce. Alors, du coup... Par contre, oui. Il y a des bûches que je peux pas péter à l'âge. Parce que sur les arbres, tu peux pas. Sur le bois que c'est, tu vois. En gros, tu auras des meilleurs auras des meilleures haches avec le temps. Et puis là, tu pourras défoncer les arbres comme il faut. Alors, par contre, évitez, même si pour le moment, on ne pourrait pas, évitez de détruire les gros arbres, les chênes, là, les gros chênes. Parce qu'on dirait que ce serait bien pour la déco de le garder. Oh la vache! C'est bien sombre d'un coup. Ouais. Oui. Va faire le brouillard à la con. La gueule. Oh, tu l'as cherché. Hein. Eh oui. Je l'ai pressenti qu'il voulait que je le désèche à tape. Ouais, putain, oui, il fait bien sombre. Hein. Alors, faut pas vous inquiéter. Pour le moment, ça craint pas trop la nuit. Ouais, je suis pas inquiet. Ouais, sauf quand c'est moi qui sors. Le seul truc qui se répare pas, c'est les torches. Voilà, Mike. C'est la seule chose qui se répare pas, mais bon, c'est gratuit le truc parce que c'est un bois et une résine. Tu butes un ingri. Ouais, tu butes un ingri, tu te donnes les deux. Tu te donnes la torche. Voilà. Donc, ça va. En plus, je suis content, là où je vais faire ma maison, il y a des nids de partout. Ouais, je sais, j'ai en éradiqué quelques-uns. Ouais, mais ils repopent au même endroit tout le temps, donc c'est cool. Ouais. Ça, ouais. C'est comme entre ma maison et celle de la future maison de Gabi, il y a toujours 4 ou 3 cerfs qui spawnent. Ouais. Donc c'est assez cool. Bon, je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour, parce que... Ah, je peux pas ramasser la branche, ok. Trop forte pour toi cette branche. Ouais, j'ai appuyé sur E, ça marche pas. Ouais, je pense qu'à mon avis le serveur il a des petits lags. Ouais. Oui, il y a des petits coups de latence sur les serveurs. Je sais pas pourquoi. Ouais, bonne question. Voilà. Pourtant, quand j'ai regardé le matos qu'ils avaient pour la location, ça devrait largement te faire le taf quoi. Ouais. Après, ça dépend le nombre de serveurs qui sont sur le matos en question. Alors, j'hésite si... Ouais, remarque.
comme c'est un truc qui ne s'éteint pas. Je sais pas si moi. Après, c'est peut-être. Je me suis dit que c'était peut-être Valheim Plus aussi qui foutait le jeu dedans. Mais parce que nous aussi, sur la partie qu'on a avec Gaël, ça fait des bugs comme ça déjà. Ça en fait, donc. Mais c'est pas. Le coup de devoir construire un cran au-dessus, ça ne l'a jamais fait celui-là. Bah moi non plus, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'avais fait déjà 4-5 parties tout seul pour essayer. J'avais pas vu. Puis il n'y a que depuis qu'on est sur le serveur où Gabi nous a inventé ça, tu vois. Que avant qu'il arrive, on n'avait pas ce problème. Il a joué hier, il n'y avait pas ce problème. Ouais. Cisco ce matin, poum. Ah, c'est clair. Il te montre toute sa maison, quoi. Grave, et là, ça marche plus. Il y a des trucs chelous. Parce que des fois, je veux mettre une construction contre une autre. Et en fait, j'ai un décalage. Ah ouais. J'ai un espace et ça le colle pas, en fait. Merde. Y a pas de snapping ? Ouais, non, mais. Et du coup, c'est un peu le bordel. Faire différemment, ça va être. Ça vient peut-être du mode aussi, hein. C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fonction là-dedans qui foutrait la merde ? Tu me balances des cailloux là, Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est de chercher et puis de relancer le serveur plein de fois. Mm. Sauf qu'ils aiment pas les serveurs à être redémarrés un nombre de fois incalculable. Tu les redémarres, au bout d'un moment il y a des trucs qui capotent. Ça c'est fait. Ouais, il m'a filé une pierre, trop content. Putain. Voilà. Voilà pour c'était quoi ce bruit? Ça va, franchement. Oh, j'ai entendu un vieux bruit là, c'était quoi? Je sais pas, c'est toi. Oh, je crois que j'ai entendu. Waouh! Ça dépend où tu es, je sais pas. Chez moi. Je me demande si ça serait pas le. Putain, mais je suis attaqué, vain Dieu! Oh le bâtard, il m'a. Ah ouais, c'est comme ça. Viens là. Putain, moi, c'est une mouette qui a cherché à m'attaquer. Voilà, tu l'as payé de ta vie, le dinguerie. Tu l'as payé de ta vie, je te le dis. Hop, je vais mettre un autre établi. Ah. Il m'a bousillé une ruche, le salaud. Ah ouais, putain. Salaud! Oh my wamu, shindelu! Bon, mais voilà, ça élargit ma zone de construction, c'est plutôt bien. D'hiver, c'est quoi ça? Attention, tant que c'est ta zone de construction. Et met un saut magique à proximité qui empêche les autres joueurs de construire des bâtiments ou d'ouvrir des portes. Ah putain, mais c'est ça qu'il faut que je me crafte! Quoi? Non, ça va, c'est passé crème et on n'a pas trop c'est entendu. Ça. C'est passé truc. J'ai dit, ça élargit ma zone de construction. Il a dit, tant que c'est ta zone de construction, ça. C'était pas drôle. Merci. Exactement. Complètement débile, ce dinguerie. Putain, je sais ce que je vais faire. Super. Parce que j'aime mon fils quand il joue avec moi. Mais je l'aime encore plus quand il rentre pas chez moi, tu vois. Pareil, c'est con, hein, mais... J'avais l'idée que... Aussi, que vu qu'on veut faire un tout par hasard, si on s'amuse à dire que les piastres, c'est un peu la monnaie du jeu pour s'acheter des trucs ou quoi, qu'en fait, on a le droit de rien toucher au niveau des coffres, mais par contre, si on trouve les piastres de quelqu'un dans un coffre, on les prend. Les piastres fait... Mais si par exemple tu mets tes piastres dans ta maison et que quelqu'un y rentre, il n'a pas le droit de toucher à n'importe quel objet sauf tes piastres. En gros, ça t'obligerait de les cacher. Ton trésor. Ok, c'est fait, c'est caché. Je les ai mis dans mon slip, comme ça terminé. Ouais. Bon, après, si tu les mets à la maison, que le mec il démonte toute ta maison, ça serait le coup. Non, mais tout simple, hein. tu l'enterres. Tu prends ton coffre, tu pioches et tu l'enterres. Hein. Mais ça peut être pas mal. Ah, il me faut du bois précieux. Ah là. Ouais, bois précieux. Bon, moi je suis emmerdé parce que la nuit pour construire, c'est pas la joie. Moi je suis pas prêt de l'avoir, mon bois précieux. Enfin, dès que ça s'éclaire, pouf. Enfin, si, j'ai une technique, mais c'est chiant.
Ah oui, effectivement, ta technique, elle est... Elle marche bien, toi, regarde. Oui, mais... Moi, j'ai pas de pioche, j'ai rien, bah, j'ai déjà du cuivre et puis de l'étain. Oui, mais et, déjà, et un peu de bois précieux. Déjà, il faut le troll. Ouais, il faut le trouver et il faut trouver le bon, c'est déjà ça. Ouais. On voit qu'avec le maillet, ça doit le faire. C'est encore plus efficace avec le maillet. Ouais. Bah, tu sais quoi, ce que je vais faire? Tu l'esquives au dernier. Ouais, mais alors, faut le trouver, le type. Bah, je vais le trouver, le gros cochon. Putain, il y en a un autre. Tu te fous de ma gueule. Il ou le nagri, là. Pinters. Tu fais... Le bois précieux, il m'en manque. Tu fais debout, là, exactement, toi. Bah là, je suis allé récupérer mon stuff parce que je me suis fait tuer par mon arbre. Le, voilà, il est baptisé, c'est bon. C'est le truc de ce jeu, quoi. Il faut au moins se faire buter une fois par l'arbre parce que c'est pas un bon viking, quoi. Bon, je sais pas si ça t'est arrivé, toi, Kata, encore. Si, si. Voilà, une fois. Il est tout passé, quoi. C'est ça. Et après, j'ai compris qu'il fallait regarder le sens de chute de l'arbre et c'est réglé. C'est ça. En fait, j'étais justement pas dans le sens où l'arbre allait tomber théoriquement, tu vois. C'est la théorie. Après, la pratique. Je me suis pris du vent. Je me suis pris. Faut pas regarder le pied de l'arbre. Hein. Faut regarder la cime de l'arbre. Ah non, mais en fait, il était penché, si tu veux. Moi, je me suis mis à l'opposé pour pas me prendre le tronc sur la gueule, logique. Sauf qu'en fait, bah, ça a fait le l'arbre. Nez, voilà, je me suis fait catapulter, quoi. Voilà, j'en étais sûr. Ça a fait levier et se l'est pris dans la tête. Ah, mais ça a été immédiat, hein. Il n'y a pas eu de... Efficace, hein. Ça t'a déboîté la mâchoire, comme on dit. Bon, bah, allez, c'est parti, je vais faire ma construction. Bon, logiquement... Ouais, il serait trop feignant. Mon terrain est à plat. Il est bien plat, quoi, donc ça devrait le faire. Bon, il y a un putain de rocher qui va me casser le bonbon, je sens. Ouah, ce qui paraît, hein, il a une pioche, hein, tu sais. Bon, il doit l'avoir sur lui, quoi. Ouais. Ah, j'ai même trouvé du poisson, quoi. Ça m'a fait comme... Ouais, moi aussi, j'ai du poisson. Ah, tu l'as trouvé aussi, putain. Eh ouais, tu peux poquer. Hop, alors, ça, je vais dégager aussi. Je vais rebouffer un truc, là, encore une fois. Ça me fait chier de bouffer les framboises, quoi, parce que je sais qu'après c'est tellement bien, quoi. Mais ça va pas. Ah oui, la pioche on l'a qu'avec le premier boss, c'est oui, vrai. C'est ça. C'est vrai, on va le faire rapidement, on attend que Mike il découvre bien le truc, il essaye de se stuffer un peu plus. Parce que même moi, il faudrait que je me stuffe en cuir. Parce que... Ah, mais il m'a laissé du bois dur. Ah, mais il est gentil. Alors, du coup, tac, tac. Donc, allez, on a de la chance, si vous voulez, il m'a laissé du bois dur. Du bois russe. Non, du bois dur. Bois dur. Mais pas bois dur. Pour faire la première pioche en bois de serre. Ah oui, ah, c'est oui. Vrai. Exact. Il me l'a laissé. Effectivement. Exact. Exact. C'est gentil. Ouais. Tu vois, tu disais qu'on pouvait pas tuer les serres au corps à corps. Si, on peut. Avec mon couteau. C'est suffisamment sneaky. Ah ouais. Faut être bon, quoi. Le couteau, ça... Non, j'ai jamais testé au couteau. Faut être un bon. Le couteau, j'ai jamais testé. Pas. Ouais, c'est ça. Voilà, il m'en a laissé. Du coup, je vais la faire. Tête de barbare, quoi. On peut s'emmerder. Bon, c'est bien, j'ai coupé du bois. Maintenant, je fais quoi? Parce que j'en ai plein, les bois. Tu construis du bois. Tu construis tes trucs en bois. En fait, essaye de faire au moins un établi avec un abri et un lit, quoi. Sort d'avoir un spawn. Bah, c'est bon. Ce qui peut servir. Je regarde comment on fait le lit. Avec du bois. Alors il faut d'abord faire ton établi. Voilà. Après faire un toit dessus. Donc, ça c'est important. Je veux quoi? En fait, la réparation des outils, elle est immédiate en fait, si tu rentres sur... Elle est gratuite, ça, ouais. Ouais. Normalement, c'est un mode que j'ai mis, hein, mais... Ouais. Non, ouais. Tu dois spammer le bouton du marteau, y a rien de pire pour les souris. Du coup, le mode, il le fait pour toi. Ça me fait penser à Satisfactory, ça dit donc. Ouais. Enfin, quoi, si on verrait Satisfactory, t'es juste arrêté. C'est dégueulasse chez toi. Et ouais, t'as vu.
Ah, c'est ignoble. C'est un peu mauvais, quoi. T'aurais pas vu des sangliers dans le coin? Bah, si, le propriétaire du terrain, pardon. Il a raison. Salutations, guerrier. Ouais, ah, il dort, le piaf dehors. Il piaf un peu partout, quoi. Ah, il y a du sang. C'est clair. Ça fait trop ça, quoi. Ah, putain, c'est pas bon, quoi. Ah là, j'ai ma petite pioche qui va bien. Alors si je fais ça. Sympa ce petit lac là, je vais mettre par là. Bon, allez hop. Ça dépend, t'es loin loin ou... Non. T'es au niveau du lac où on est, non. Je te vois pas. Hein. Fait au bout, face à la mer. Hein. Ah oui, ça va, ouais, impeccable. Bien. On se met tous autour du lac, quoi. Au début, on voulait la faire un rond au milieu, là, mais ça, on mettra d'autres. Allez, salut, Piaf. Ouais, tant pis, j'enlève tout, parce que hélas, ça va pas faire comme je veux. Du coup, Nicole est là, et au fond, là-bas, c'est Gaël. Moi, j'ai la presqu'île, là. Ah, ouais, je vois ça. Gaël, il est en face mais de moi. Mais c'est un peu le bordel, parce que... J'étais grave isolé, putain. Ah ouais, bah, je vais faire une pseudo-tour, en fait. Et en fait, le but même, c'est d'aller sur l'autre qui est encore plus loin. Mais... qui est au milieu, là. Hello, Mike. T'as failli prendre un coup de truc, en... je croyais que c'était un... Si vous faites par chez moi, là. Bah, on vient voir comment je t'en sors. Coupez pas mes bois, là. On se plate. On les coupe pas. C'est où, ta zone? Là, tu vois, là, la petite maison pourrie, là. C'est chez toi, ça? Ouais, c'est vite fait, parce que bah, j'ai un lit, du feu, et voilà, quoi. C'est tout. Du coup, la petite maison centrale, je peux la déglinguer ou pas, parce que... Laquelle? Bah, j'avais fait la petite maison de provisoire que j'avais fait au milieu. Où il y a un feu, un établi... là-bas, là, en plein milieu de la map, si, là si où si on a tu commencé. Veux, si tu veux, là, ah, je, oui, la je la défonce, parce qu'en fin de compte, chacun, dès qu'ils arrivent, ils font leur truc, donc... Ouais, c'est bon. Moi, il y avait quand même mon lit dedans, donc... Tu peux plus. Dès qu'il suit son lit, voilà, quoi, c'est fini. C'est nul ce truc là. Merde. Bah il flotte là, du coup c'est niqué. Attends, j'ai une idée. Je vais la ramener. Ouais. Faut la pousser, hein. Ouais, ouais. On va la pousser, tu vas voir. Regarde, il y va. Vas-y. C'est chiant. Oh putain, j'ai bientôt pu. Deux. Ouh là là, j'ai eu de la chance. Ah, vas-y, tape dedans. Il fait pas plaisir. Casse-le bien. Bon, si je le tiens. Alors, voilà, vas-y, hop là. Ah, nickel. Putain, c'est la galère ça. J'essaie de mettre des planches direct au sol pour faire ma maison, quoi. Il y a, ouais, donc, il y a un pet de millimètre de terre moins, ça a été sévère. Ouais. Tu me diras d'ailleurs quand tu commenceras ta construction, Mike. Parce qu'en gros, très je vais mettre en face de là où tu es en fait, mais de l'autre côté du, ouais, de l'autre côté du lac en fait. Alors déjà, ce qu'il te faut, c'est une houe. Enfin, si tu n'as pas la houe, tu vas être emmerdé. Il faut vraiment que ton terrain soit le plus plat possible. Établi. Oh, mais de toute façon, si c'est pas plat, ça va me saouler. Tu me connais. Ouais, bah bonne chance alors. Ah, il bien grand, moi. Bonne chance alors. Bonjour, non. Salut, t'es. Oh putain, je suis bloqué. C'est bon. Putain, c'est pas vrai. Et fais ça bien, hein, qu'on soit pas emmerdé. Ouais. Oui. Ouais, j'aurais voir dépasser. Combien de silex? Important, ouais, le silex. Ouais. Oui. Au début. Où est-ce qu'il va, le cerf? Il nage vers le large. Je sais pas, il pique une tête depuis tout à l'heure. Non, ouais, j'ai il envie va vers de lui... le large. J'ai eu envie de lui décrocher une flèche, mais j'ai eu la flemme. Ouais, mais c'est perdu, là. Après c'est perdu. C'est ça. Il va revenir. Ouais, bon, tôt ou tard. J'espère bien. Il va aller... Ah, bah il revient. Je vais l'attendre. Alors, avant que ça remarque, je suis... Bon, allez, je vais détruire la cabane là-bas, du coup, ça sert à rien. De toute façon, ça va être leur maison, ça va être l'emplacement de la maison du Yard, il me semble. Ouais, soit le Yard ou ce sera l'arène, peut-être. Ouais, ou l'arène, on verra. Peu importe. Moi, je voudrais que la maison du Yard, il faudrait qu'on farme énormément de pierres avant. Oui, mais on la fera au moment où on aura la pierre. Que je voudrais la...
Bah, et puis même, je voudrais la surélever. Bon, ça va tout par rapport au reste. Rester appuyé pour casser les bûches, faut absolument spammer le clic, quoi. Ouais. Ouais. Sais, déjà, on peut pas tout avoir. Déjà, on peut faire les réparations complètes, ça c'est bien. C'est déjà pas mal. Après, le jeu. On devrait avoir un guerre esquive normalement qui va arriver bientôt. C'est juste que je pense que ça peut être un point amélioré en fait. Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, comment niquer une souris, voilà, t'es au top là. Hein. Oui, c'est clair. Mais c'est peut-être c'est un peu de... peut-être pour mettre dans la difficulté, je sais pas. Parce que si tu. En gros, c'est si tu. Si t'as des ennemis qui t'attaquent en même temps, ou etc., t'es obligé de, d'appuyer à chaque fois là-dessus. Ça doit être peut-être chiant, un spray, je sais. C'est une idée comme ça. À chaque carte de jeu, tu dois changer de souris. Non, faut pas exagérer. Hop. Alors ça c'est bon. Et pourquoi j'ai pas croisé de sanglier, ça m'énerve. C'est quoi ça là? C'est des nix. Tu récupères des queues de nix et ça tu peux les faire cuire aussi. Et pour les bouffer. Ok, ok. Mais tu vois c'est mon terrain. c'est son élevage de nix. Ça va. Je plaisante, c'est à tout le monde. On s'en fout complet. Sauf Qatar, parce que voilà, tout le monde le sait. Quoi. Je suis une pince. Bon, lui, il a ses réserves secrètes. Alors bon. C'est vrai que j'ai la cachette d'Harry Potter dans ma maison. C'est clair, ouais. C'est carrément ça en plus. Oui. Oh, par contre, je vais pas trop. Je voulais m'avancer. Ah merde, établi requis, c'est vrai, je suis con, je l'ai démonté. Mais quel abruti ! Reviens là, sale cerf. Ouais, je cours après les cerfs, moi. La saloperie. Il est chaud. Allez, je vais pas aller plus loin, ça sera à l'extérieur. Je l'ai eu. Pourquoi je suis en décalé ? Quoi ce bordel ? Hop. Ah, c'est là, non ? Comment c'est possible que le toit il tienne, là ? Ouais, des fois, il y a des... Comment le toit, il fait pour tenir ? Ah non, ça y est, il se casse. Ouais, il était temps. Ouais, il y a des lags, là. Putain, il n'y a pas de sanglier dans ce pays. Ouais, du coup, comment on fait un workbench ? Comment quoi ? Comment on fait la table de craft ? C'est du bois. Alors, tu prends le maillet ? Oui. Alors quand tu as le maillet, tu fais clic droit. Ah, ok. Voilà. Et là, un éventail de possibilités sur le là. Gaël, tu veux la matière qui est là ou pas ? C'est quoi ? C'est du bois ? Bah, du bois, de la pierre, un peu de tout. Pourquoi ça ? Je ramasse si tu en veux pas. Bon. Ah, vas-y, prends, j'en ai assez. Prends tout. Ah, voilà, c'est bon. Tout ce que tu peux. Ma oh, si je peux tout prendre. Alors là... Et oui, il y a un morceau. Tiens, je peux pas le casser celui-là. Bon, hein, ça restera là. Ça. Étonnant. Faire ça. Ah, oh, c'est rigolo ça. Je crois que je voulais le casser, mais il faut qu'on soit une table de craft. Hein. Ça dépend. Ah putain, je suis con, attends, bouge quoi. C'est pas grave. Vu le nombre de fois que tu le dis dans la soirée, on a pas. Ouais, non. Voilà. Alors, sanglier. Hop. Alors, bon, on va prendre du silex à la place. Trop de bois, tu le bois. Ah, la forêt se réveille. Oh, ça attaque. Là, on est mal. Oh putain, mais non, cassez-vous de ma baraque là. Mourir 14 fois là. Mmh. Le corbeau il est bien expliqué comment ça. Oh putain, allez, barre-toi. C'est bon, ils sont 50. Casse-toi de là. Touchez pas à ma baraque. Oh putain, mais vas-y. Quoi. Ah oui, mais j'ai pas mangé aussi. Oh, il y a le chaman et tout, tu sais. Non, c'est vrai con... Eh oui. Ouais, ouais. Attends, j'arrive. C'est vrai que j'ai pas mangé, j'avais pas de PV. Il y a le corbeau, il a j'apporte des nouvelles. Mais il se passe sur des trucs. Hein. C'est toute une armée qui court après et lui il n'a pas. J'arrive vers le, oh, vers le spawn. Ah, il casse tout. Oui, il casse tout. De Dieu.
fois qu'il me rend. Enchanté. Viens pas vers moi, putain. Il y en a marre des cailloux dans la gueule. Je m'occupe du chaman en premier. Ouais, j'arrive. Je bouffe un coup. Ça va, c'est nul. Je suis au point, c'est sérieux. Oh le bordel. Au revoir, Mike. Pop là, pop. Putain, je suis à 29 PV quoi, alors laisse tomber. J'essaye d'achever les mecs quoi. Même pas, j'ai même pas eu le temps. Putain, j'enterre, il y va. Il s'en descend dans. J'enterre. J'ai mon petit couteau là. Ah, mais c'est parce que c'est la forêt qui s'est réveillée. Ah, oh, mais oui, je te l'ai dit. C'est écrit en gros. J'avais pas fait gaffe. Je me fais tranquille. Viens là. Raté, Maurice. Oh, t'as vu la parade que j'ai placée en bonnet du fort. Oh, quoi, en lui. Merde, j'ai plus d'énergie. Reviens. Oui, c'est fait mal. Des jokes. Maquille. Merci. Ça hache, là. Eh oui, j'étais en train de faire mon truc, là. J'ai d'aider quand même. En fait. Eh bon. Je vais parler au corbeau. Ouais, le corbeau aussi. Le mec, je cours, il apparaît devant moi. J'apporte des nouvelles, mais ta gueule. Des monstres assiégeront de temps en temps sur notre camp. Quoi? Coup de bâton dans sa gueule. Sérieux. Oh putain. Ah ça c'est sûr, ça se rediffuse. Oh quoi. Bah il était trop facile le jeu avant. Oh putain. Alors ça c'est bon. Pareil, c'est vrai que j'ai pas rajouté de feu de camp ni rien. Nani. Écoute, moi je pensais m'avoir lié ou mon lit, mais a priori non. Je il apparaît nulle part. Bon, on a la chance de pouvoir spawn au village. Donc, ouais, vraiment, ouais. Oui, on est à côté de toute façon. Bah, tu l'avais claim ton lit? Oui. Mais c'est pas grave, je vais le refaire. Étonnant. Bonsoir, je vais revoir. Non, ah, mais non. Ok, bon. Quoi? Oh putain. Ah, évidemment, il s'était enlevé. Je sais voir pourquoi. Ça c'est bon. Le jeu l'a fait, nope. T'as pas le droit. Ok. Qui fait fuir mes serres là. Rassurez-moi, quand on pète une construction, on récupère tout ce qu'on a utilisé. C'est remboursé à 100%. Hein. Oui. Ah, le sanglier, putain. J'y croyais plus. Mais il est à moi. Maintenant il est mort. Je l'ai réservé. Il faudra en trouver plein, quoi. Parce que là. Je l'avais marqué. Je t'assure, hein, j'ai pissé dessus. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il était pas content. Pour ça qu'il a attaqué, quoi. C'est celui qui clignotait, là, avec des champignons sur la gueule. Exactement. C'est dégueulasse. Parce que t'avais mangé, mais. Je lui avais même donné un petit nom, je lui avais donné un petit nom, il s'appelait Herpès. Herpès, quoi. Oh, secours. Alors, on est là. Oh, donc, c'est dégueulasse. On peut dire ça. Alors, comment je vais faire? J'ai le soleil dans la gueule. Carrément dans la gueule, quoi. Ah, dans 20... la gueule. Il est 22h, tu fous de ma gueule. C'était rigolo. Ah d'accord. Oh, je suis obligé de faire comme ça, putain c'est chiant ça. Ah je sais ce que je vais faire, putain. Ah. Je vais faire un petit truc intéressant. Je veux pas savoir. Avec un sanglier. Ah ouais, c'est... Oh, on se voit qu'il n'y a pas des chats dans ce jeu. C'est ça, heureusement. Petit coup de botte et voilà, on en parle plus quoi. Ouais, c'est...
Ouais, tu vas le faire de partout. Et bien sûr. C'est en train de me saouler là. Hop. En gros, j'ai voulu surélever le truc. Mais pour mettre les planches sur les poteaux en bois là. Oh, c'est la merde. T'as vu que ça soit nickel sur le côté, mais. Elle est là, Mao. Hélas, ou alors. Ouh. Ou alors, peut-être qu'il faut juste que je fasse ça. Contre les constructeurs. Je... Oh merde. Ça hyper intuitif. Hein. De quoi ? Je dis les constructions. Le fait de placer un mur sur un mur, il y a des fois, t'es obligé de tourner ton mur. C'est un peu con, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ça manque un peu de côté un peu automatique. C'est même pas question d'automatisme, c'est vraiment le fait d'être intuitif en fait. Ouais. Bon, ça l'est quand même. Il y a un peu, ouais, il y a un peu. En fait, ils ont aussi voulu donner la liberté de le placer comme tu voulais. Il y a cette histoire-là aussi, quoi. Apparemment, c'est pas suffisant pour beaucoup de monde. Ouais, bien sûr. Bien. Ah, mais voilà. Oh, con, ça m'énerve, cet établi, là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Pourquoi il me dit que c'est vert alors que j'ai mis des poteaux bûches. Putain de con. I don't understand. On me disait s'il y en a qui veulent dormir. Oh putain, comme vous voulez. Moi j'ai toujours pas de lit perso donc. Après, on peut t'en faire un. Non mais c'est bon, je suis en train de finir ma. Ouais, pas de soucis. Semblant de hutte. Ah, là, c'est compliqué. Ah bah s'il manque quelque chose. Petite latence. Et... Peut-être une chaleur qui se fait, ou je sais pas. Oui. Ok. Y a voir. Tu vois, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Ouais. Parce que moi, je vois que dalle, personnellement. Mais c'est pas vrai. Un sanglier. Dans le noir, c'est mort. Hein. Bon, c'est j'ai fait mal. Un lit. Si vous voulez, on peut aller dodo. Ouais, comme vous voulez. Ah oui, mais là, oui, carrément. Il y en a qui peuvent. Moi, j'y suis dedans. Si jamais. Ah putain, il faut du feu. Il casse les couilles. Lui. Oui, il faut un feu. Ah, oui. Il faut un feu juste à côté. Et il faut que ce soit à l'abri aussi. Non. Non, toi, mais ton le lit, faut le lit doit être à l'abri. Il faut que ce soit à côté du feu et à l'abri. Et le feu, va foutre le feu à la construction. Dehors, par terre. Parce que ce genre de feu ne se met pas sur des planches, c'est vraiment par terre. Oui. Non mais tu sais, coller un mur quoi. Ouais, à peu près, ouais, mais si tu décales une case, ça va. Mais Juste une aération pour éviter de mourir étouffé. Ouais, c'est pour ça qu'on te dit de le mettre dehors, parce que sinon, si tu le mets à l'intérieur de ta maison, tu fais tout. Faut faire une aération. On verra, peut-être que je vais mourir. Tu me dis, hein. Toi, Kata, bon. Tu es où? Tu es au niveau de ton lit? Génial. Ah, pas du tout. Si, il est à sa maison, ouais. Je vois Janter se déplacer. C'est un peu le bordel parce que mes poteaux ils se tiennent dans les airs. Nico? Ah merde, ouais, j'arrive. Bon, mais laisse tomber, Michael. Ok, j'arrive, j'essaye. Bah, du coup, j'ai enlevé mon feu de l'intérieur de ma baraque parce que je vais mourir. Effectivement. Mais où je voyais la fumée, tu sais, le niveau de la fumée qui descendait. Oui, effectivement. Alors, j'arrive, je me dépêche. J'ai plus de d'enduit. On dirait moi dans la vraie vie quoi. Je lui dis pas, je.
C'est là où tu dis, putain, le mec, c'était censé être un guerrier viking qui vient sur cette île, quoi. Il arrive là, il n'arrive plus à rien faire. Je dis pas, il en peut plus, quoi. Le mec... Ah. C'est pas bon, tu as fait des dégâts, t'as ton cas. À la barrière. Ouais. Alors, il y en a, ce qu'il faut, c'est qu'il creuse... C'est lui, hein. Bon, après, quand tu feras la pioche, ça sera... tu pourras le faire. Et s'il creuse un trou pour le mettre dedans, quoi. Ça, au moins, il peut pas ouais. Te défoncer. Quoi. Il est effrayé, ce con. Mais oui. Bon, des dégâts vite fait. Hein. Je regarde sa jauge de vie, la barrière, avant qu'il la flingue. Ouais, effectivement. Bon, je peux pas construire sur cette île. Ah ouais, carrément. Putain, mais c'est fou. Bah ouais, bah c'est tout surélevé, quoi. Je vais pas la réparer, ma barrière, tiens. Ah si, ça y est. C'est bizarre, hein. Bah ouais, c'est bien. Bien d'accord. Quoique... Oh pitié, Ningri. Ouais. Je fais comme... c'est un peu comme Astérix, c'est que tu vois un boss en face de toi, enfin un adversaire, tu bouffes, c'est un fan de la fierté. L'autre, il prend sa potion, ou allez, pitié, un peu de miel, bah on... C'est ça. Mais viens, mon petit. Hop. Après, vous me direz quand je serai chaud pour faire un boss. Ouais, ben en fait, j'aimerais bien trouver pas mal de cuir aussi. Pas mal de. Bébé, du coup, ah, lâche-moi pour, les sangliers ou les cerfs. Je crois que c'est les cerfs. Hein. Bah, le cœur de cerf, d'accord. Moi, je suis du sanglier toujours. Marque du cerf, j'en ai un peu. Je vais aller voir, mais. Je vais voir ce que j'ai, si je peux faire quelque chose avec. Bon, merde, celui-là. Ce qu'il fait, Mike, je vais voir, je vais rentrer chez lui, tiens. Ouais, Joe, s'il faut, tu. À part s'il veut le. Je rentre chez toi comme ça. Pas de soucis. À part s'il veut découvrir encore tout seul ou quoi, mais s'il veut de l'aide, pas de soucis. Quoi. Bon, je pense que je vais finir par gérer. sur ma baraque. Sur ta baraque, ouais. Pas une seconde. Ah putain, il faut. Qui c'est qui a un établi niveau 2 là, ça va ranger. Moi. J'ai un niveau 3, hein, ce qu'il faut, mais j'avoue que j'habite un peu loin. Évidemment, c'était putain de. J'ai un niveau 2 chez moi, si tu veux. Tomber dans l'eau. Il faut deux silex. Mais c'est 50 piastres pour l'utiliser par contre. Non mais c'est bon, j'ai deux silex dans mes trucs. Ça va alors. Ouais. Oublie. C'était une bonne affaire pourtant. Alors attends, c'est pas ça du coup. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, l'offre retient toujours. Attends, mais je comprends pas là. Ah non, ça doit être plus que ça. Oui, il en faut 10, je crois. Ouais. Bon, en fait, c'est 2 silex, c'est ce que j'ai sur moi. Ouais. Oui, il en faut 10, effectivement. Putain, j'en avais plein, je sais pas où je les ai foutus. Ça devait être peut-être dans le coffre au milieu, mais comme il a tout rasé. C'est cuit. Bon, je vais essayer de trouver du silex. J'en ai, est-ce que. Non, je veux chercher moi tout seul. Oh, je me fais attaquer par des bleus. Ah, j'en ai 3. J'invoque le négri aux yeux bleus. Oh putain. Ça, c'est un caillou. Voilà. Non, mais le silex, garde-le pour toi. Ça va te servir, rien. Là, j'ai installé une sirène d'alarme. Ah bon? Ah oui. C'est... Effectivement, c'est une sirène d'alarme, oui. Sirène d'alarme naturelle. Vous irez voir quand vous pourrez. Bon. Et là, il n'y a pas un son, tu vois, c'est tout calme. Je suis sûr que le premier joueur qui s'approche, tu vas l'entendre, direct. Ça. Ah, ouais. Quoi, ils sont où les silex? Ils ont tout rasé ou quoi?
me fais poursuivre par des négriers. C'est qui est là? Ah ben, ouais, tu es parti du coup, Gaël, de là, ouais, c'est ça. Je suis parti, on va dire, je suis mort. Ah. C'est quoi du coup ton système d'alarme? Bah, va voir ma maison. C'est ça? Ah oui, d'accord. Ça a marché direct. Attention, le chien méchant. Il défonce tes barrières, tu le sais. Ouais, je le sais. Ça marche bien. Ouais, mais il défonce pas beaucoup. Hein. Ça fait pas trop... Non, c'est rien du tout. Donc, ça va, il a le temps. Qui sait qu'à tout casser. Ah, bah, c'est Jean-Terre. Je cherche de la résine, c'est bon. Moi, je cherche. J'en ai trouvé. C'est pas où chercher, en fait. Mais au bord de l'eau, quoi. Mais le problème, c'est que je cherche au bord de la mer et je crois qu'il y en a très peu au bord de la mer. Dans le lac, il y en a plein. Ouais, je sais. Mais il y a tout le monde dans le lac. Comment je vais me la... Comment est-ce que je vais me la jouer? Des nagris, c'est bon. Ah non, c'est pas des. Alors, c'est un peu plus balèze, ceux-là. Alors déjà on va se rééquiper. Ça s'appelle des brutes. Non c'est des... Ah, non c'est des nagris mais de la forêt noire. En train de me noyer, non ça va. Hop là. Attends, Silex, allez hop. Je vais y arriver, je vais trouver les Silex. Et voilà, là y'a personne. Là tu le sens bien. Hop. Du coup je vais mettre un point... Le coco est passé par ici le 1er février. Et pareil, c'est vrai, ça c'est Gavi qui en a parlé. Gaël, ce qu'on faisait pas, nous, c'est par exemple si tu avais un endroit où tu avais des myrtilles ou des framboises, tout, mettre des repères pour les retrouver oui, plus facilement. Oui, on faisait pas parce que. Parce que je l'ai fait. Ouais, mais non, moi j'ai pas du tout pensé. Pourquoi? De quoi? Mais à chaque fois que je coupe un putain d'arbre, il faut qu'il aille rouler dans l'eau, ce con. Ah, ben oui. Mais il faut te mettre devant l'eau et le tabasser. Oui, parce qu'il y a la pente aussi. Il y a le quoi, donc... Bah, éloigne-toi de l'eau, puis, hein, tant pis. Bon, ça va, je lui sais que j'en ai pas mal. Déjà 16. Et là. Il n'éteint pas ma torche, je sais pas. Hop. Moi qui éteins tout seul. Alors. Il va passer encore. Ah, ça y est. Hop, je lui râle un peu. Hop là. Là, il y a de la résine. Tac. Je cherche de la résine, moi, tiens. Sur les arbres qui ont été coupés, il y a de la résine. Sur les arbres coupés, non, j'ai l'impression qu'il y a des parties de la maison qui pètent. Je sais plus où je peux le ramasser. C'est possible que si ça s'éclate, ça veut dire que c'est. Alors, ça aussi, il faut que je te l'explique, Mike. Quand tu as ton maillet, tu vises par exemple une planche que tu as installée. Il faut que ça soit en bleu, soit en vert. Si ça devient jaune ou rouge, ça veut dire que ça va céder au bout d'un moment. Et si c'est jaune, en fait, le truc que tu as construit en plus par-dessus, ça va devenir rouge et là, ça va pas tenir. Allez, ça va s'écrouler. Ah, ok. Voilà. Ce que je trouve étonnant, c'est que ma maison était, quand je l'ai construite, bleue et vert partout. Là, je regarde le plafond de ma chambre, il est orange et rouge. Ouais, alors c'est peut-être soit c'est un truc qui s'est usé, soit. Ben ça peut pas s'user en fait. Mais oui, oui. Ça dépend si t'as. Parce que le. T'as zappé ou. Le Weather Damage, il est désactivé. Ah oui, en plus, oui. C'est, qui essaye de nager par chez moi là. Qui c'est galère. Bon, c'est pas logique. En fait, je l'ai récupéré les troncs que j'avais fait tomber. Bon, après, à la limite, c'est pas très grave. Bien du mal pour pas grand chose. Ça m'énerve de les voir flotter en fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien les voir flotter. Je voulais le garder, celui qui était devant moi, et puis on me l'a dégagé.
Katan, il m'a dit non, mais ça tiendra pas. Et puis il s'est arrivé là tous les soirs. Bah, c'est pas tenu. Oui, effectivement, ouais, il a raison. Ouais. Ça a pas tenu. Allez, c'est bon. Du coup, je peux installer le bio. Comme il dit 50 fois dans Skyrim, au bio, comme tout le monde. Comme les autres. Hop là. Alors, pantalon en cuir moustache. Tunique en cuir moustache. Hop. Il m'en manque 3. Ok, je peux faire ma hache en silex, mais je crois que je l'ai déjà. Ma hache est pétée. En fait, je l'ai déjà, mais depuis le début, j'utilise la hache en pierre. Tout va bien. Voilà. Merci. Au moins, c'est fait. Ah oui, après, pareil, tes outils, tu peux les upgrade. Donc, oui, je viens de le voir. Ouais, mais voilà, parfait. Voilà, champion, je vais pas l'améliorer. Par contre, je te vois parler du truc, je me dis, faut que je regarde quand même ce que c'est. Là où je l'ai amélioré, ça c'est bien. Le marteau aussi, l'amélioré, c'est très bien. Mais là, champion, on s'en fout parce que, au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, tu le zappes un peu. Quoi. Ah, il y a un cerf sur mon île, qu'est-ce qu'il fout là? Il est venu mourir. Putain, il a bouffé là. Et il a pris du terrain et tout seul quoi. Putain, mais tu peux améliorer aussi le niveau du. Lui, il a fait. Tu payes des frites ou quoi? Il y a carrément deux mouettes sur mon terrain, quoi, sur les planchers que j'ai mis quoi. Ça va les. Normal. Ah, ça y est. C'est comme les pigeons. Vrai. Pareil. Ouais, ça y est. Il y en a un gris aussi sur cette île. Évidemment. Question, parce que là, je viens de me faire un arc. Oui. Les flèches, quand on les tire, on peut les récupérer ou pas? Non, impossible. Mais ça se craft avec du bois, juste. Pour des simples flèches. Ouais. Je crois que c'est 8. Hein. 8 planches. Oui, c'est 8. Pour une 22 planches. Pourquoi? Non, je crois que c'est 8 pour. C'est 8 pour 20 flèches. Pour 20 flèches. Ouais, pour 20 flèches, ouais. Non, mais c'est Nico, il dit de la merde. Hein. C'est pas grave. C'est pour ça. Ben, c'est ce que j'ai dit. Absolument pas. J'ai 8 bois pour 20 flèches. Non, pour 20 planches, je t'ai dit. Bah, tu tires pas avec des planches, toi? Non. Oh, je suis viking, hein. Mais marche pas bien ton arc. Tu tires pas avec des baguettes magiques, moi? Hop. Hop. C'est bon. Bon, j'ai pas fait gaffe. Je pense que j'ai encore une fois été concentré sur ma construction. Et... Hop, tac, on va essayer de faire le plus solide possible. En fait, j'ai mis juste un truc pour survivre. J'aime pas être carrément au sol, quoi, ça va. Hop. Voilà. Puis on va rajouter là. Il est tout sage maintenant, ça y est. Bon, je suis sûr que quand je vais m'approcher, il va péter une pile, mais là, il est tout sage. Ah, beaucoup de fois. Et ouais, on manque, on peut pas le nourrir encore, donc. Non. Hop. Mais ça va venir. On parle bien sûr de Mike. Ouais, bon, il y a vraiment des problèmes sur les constructions. En tout cas, moi j'ai des problèmes. Moi pour le moment, ça va. Je peux pas aligner des trucs, ça ne marche pas. C'est bizarre. Il me les décale à chaque fois. Ah, ou sinon, tente de déco-reco, essaye. Hein. Bon, il faudra les codes, mais. Mais c'est bon. C'est vite fait, quoi. Voilà, moi, je pense que d'ici une petite demi-heure, je vais peut-être changer, passer sur Rocket League. Ça marche. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait des parties en solo, là. En Oka. Je me suis retrouvé contre des types qui étaient vainqueurs de tournoi, grand champion. Je me suis fait mais littéralement déglinguer la gueule quoi. Le gars il mettait des wall drag non-stop, des air drill, j'ai eu droit à des flip prise double tap la totale. Mais bon, je m'en battais les couilles, j'ai pas forfait. Je n'abandonne pas. Parce que ça. C'est ça. Non, franchement ça va, j'ai perdu que 3-1, donc ça va. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. Oui. T'aurais pu m'en mettre 12, quoi. Oui, effectivement. Bon, effectivement, ça marche pas.
C'est bizarre, hein. C'est en fait, dès que je veux faire un truc en biais, ça marche pas. Ça décale tout. Et tout à l'heure, Gabi, lui, c'était un héros. Il avait redémarré, enfin, on avait restart le serveur et ça avait marché. Oui, mais de toute façon. On fera ça. Vu qu'il est 22h37, moi je pars à 23. Ouais, y'a pas de soucis. Ben, si tu veux, Qatar à 23, on pourra faire du Rocket avec Mister. Ouais. Voilà, peu importe. Tout ça, t'en profiteras pour restart le serveur, on sait jamais. Bon, oui. Je vais aller couper du bois, vu que je vois qu'il y a Castor qui est passé dans le coin. Et du coup, le serveur est accessible, même, voilà, du coup, même si le joueur. Voilà. Peu importe. N'importe quoi, en fait. Ouais, voilà. Ça, pour être sûr. Ça, c'est top. Je vais voir si j'ai du Rocket ou pas, parce que je sais qu'il y a Gabi qui voulait venir jouer avec moi. Ah ouais. Il m'en a parlé hier, en fait. Ouais, mais il y a pas de souci. Hein. Il y a quelque chose qui attaque mes abeilles, là. Qui a attaqué mes abeilles? Il est mort. C'était un apiculteur. C'est des nouveaux mobs, les apiculteurs, ils attaquent que les abeilles. On va se défendre, les abeilles. Stack de bois et après tu peux plus en prendre. Ah si. Ouais. C'est des stacks de 50. Après t'as du bois aussi à gérer. Ouais, 300 kilos. 350. Oui. Ouais, c'est bizarre. Je savais que c'était. Yes, ok, bon, avec ça normalement, je bouffe aussi, hop. Et les poissons, on a une canne à pêche ou un truc? Il faudra l'acheter au marchand si tu en trouves un. Ouais, faut ça, déjà trouver le marchand. Ouais, ça c'est une autre histoire. Le marchand, mm-hmm. C'est t'as une chance sur 1000 de le trouver. Oh, il suffit de d'avoir la bonne graine du monde, quoi, c'est tout. C'est clair. Alors, tac. Allez, on continue ça. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Mec, encore je continue d'agencer ma petite maison, en fait. Alors, je pas c'est pas trop mal. Un gros truc parce que. Bon, connaissant dès qu'il va avoir les poteaux bûches. Voilà. Et par contre, petite question, du coup, le fait de d'augmenter le skill, par exemple, là, pour le bois, oui. Ça met quoi les dégâts? Non, je coupe le bois plus vite. Ouais. En moins de coups de hache, en fait. D'accord. Après, tu peux, parce que tu auras par exemple au niveau des compétences, tu vas en coupant du bois, ben, tu vas augmenter le fait de couper du bois au niveau des niveaux pour améliorer ton endurance et tout. Et pareil, quand tu, si tu combats avec la hache, c'est un autre truc. C'est, ouais. Ils ont pas été cons. Ils se sont dit, les mecs, ils vont faire que couper du bois, ils vont arriver devant le bestiau, ils vont tout défoncer. On va avoir un aigri one shot. Traite le nagri comme du bois, c'est bon. Ça. Aucun respect, monsieur dame. Bon, pourquoi tu veux pas le ramasser le bois là? Ah, je suis plein peut-être aussi. Il manque quelque chose. Ça, toujours quelque tu chose. Tu vas le voir 50 000 voisins. Hop. Alors, comment qu'on fait un coffre? Pareil, tu as eu le maillet. C'est toujours le même principe en fait. Toujours le maillet. Eh merde. Du wood stack, c'est bien, non? C'est pas que de la déco, c'est pour stocker le bois. En fait, c'est de la déco, mais tu peux mettre ton bois là et tu le casses pour le récupérer. D'accord. Si tu veux pas le trimballer.
Ouais, ça fait les ouais, genre si tu fais un atelier de bûcheron, ça fait plus classe. Oui, voilà. De stacker le bois, quoi. Tu auras pareil pour la pierre. Ça. Ouais, ça fait un peu style écho, en fait. Ouais. Ouais, sauf que voilà, tu peux pas le... C'est pas en cliquant sur eux que tu le récupères. Faudra le casser et le mailler pour récupérer tout cet bois. Hop là. Et tu peux pas, et tu peux pas l'empiler. D'accord. Bon, ici, ouais. J'allais me promener pour essayer de trouver des piastres. Hop. Après, c'est à vous de voir si avant de... que tout le monde se déco, si on attaque le... Le bestiau là. Le boss, le boss ouais. Bah, il est où le boss déjà? Non, tu le vois sur la map. Moi ouais. Je l'ai pas. Mais il faut aller. C'est parce que t'as pas activé la scène. Est-ce que quelqu'un peut me ping sur la carte? S'il vous plaît. Où est le boss? Oui. Parce que je suis pas du tout à côté. Ok, d'accord. Bah, moi je peux y aller. J'ai un bateau. Ah oui, putain. T'es sérieux, il est là-bas? Ah mais si, on peut planter les arbres. Ouais. J'ai un bateau, hein, s'il faut. Avec le middle mouse, tu peux ping. C'est ça. Oui, tu pourras planter les arbres, mais par contre, il faudra tuer le ratisseur. Contre moi, je vais vous laisser là. Ok, bon, mais alors, on fera la prochaine. Voilà. Fois. Pas de soucis. Pour moi, même si tu te couds dans la journée, tu te le fais. Hein. Ah, j'ai marché dans le feu. Ouais. Ok, bonsoir, bonne soirée. Merci à toi. Et voilà, c'est très nature chez toi. T'as vu ça? On se revoit. En fait, j'ai juste pour remettre le lit et tout. Quoi. Et la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, gars. Ciao. 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 Voilà, ça, oui, c'est apparu. Ah, j'ai pété ma hache. Voilà. Je viens voir notre ami où il en est aussi. Oh là! T'as des gens chelous chez toi. Ah. Ah, les... Merde, je vais y arriver. Les souches, ça te rapporte aussi un peu de bois. Ouais, oui. Mais c'est beaucoup plus long à détruire pour une toute petite quantité de bois. Faudra les dégager. Oui, on les enlèvera au fur et à mesure. Mm. Quoique, si tu laisses pousser des arbres autour, plus les souches, ça fait normal. Ouais, mais là, ça ira bien. Trop de souches. Ah bah, ouais. Et tu vois là, regarde, c'est... là où tu es. Là. Bah, c'est incroyable. Viens, on fait un petit saut de mouton ou quoi? Bah, c'est clair, on peut faire un parcours. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Là. Ça me rappelle un autre jeu, Nico. Ah, j'ai réussi. Mais, on se fait un Fall Guys ou quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Je parlais de couper du bois. Farming. Et je te montrerai quelque chose parce que je te fais confiance, Nico. Ouais, pas de soucis. Mais hors live. Hors live, ouais. Bon, mais de toute façon, voilà, on va l'arrêter là. Le live, y a pas de... Un petit truc que j'ai fait. Pas de problème. Donc, merci pour ce premier live, voilà. Donc, hélas, ben, il n'y a eu personne, voilà. Donc, c'est ça qui est dommage. Mais c'est vrai que, déjà, sur Streambox, n'apparaît pas sur Discord quand je lance, donc je ne sais pas si je crée un autre compte, tout ça. Mais ou... sinon, c'est ce que tu fais, tu... Donc, tu le balances... contre Discord, tu te connectes dessus aussi, et tu lis ton compte de Streambox à ce deuxième compte. Ouais. Ouais, donc en gros, ouais, il faudrait que je crée un autre compte. Et en fait, tu peux le connecter, je pense, avec ton téléphone, tu vois. Genre, oui, voilà, tu laisses ton ordi avec Nico. Ouais, ça va, on a eu la même idée, donc ça va. Ok. C'est bon. J'ai bien compris le truc. Je pense qu'on va faire le taf. Ouais. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Et en espérant que vous viendrez nombreux en live. Je l'annoncerai toujours sur YouTube avant de dans la journée, quoi, pour que vous puissiez savoir quand venir. Et n'oubliez pas, ben, ceux qui sont sur YouTube, ben, pouce bleu, abonnez-vous, partagez, voilà, et la petite cloche aussi, très important. Et allez sur les chaînes de Qatar et Mike Motors aussi.
On ne cherche pas Gaël, vous la trouverez pas. Et voilà. Et bien sûr, pareil, si vous venez sur la chaîne Streambox, il y a les liens de chaque youtubeur qui vient sur faire des streams ici. Donc n'hésitez pas à visiter tout le monde. Et bien sûr, Discord aussi, voilà, vous avez les liens dans la description. Oh, c'est marrant, de loin je vois un arbre trembler. En fait, c'est moi qui tape dedans. C'est terrible. Il tremble bien, quoi, c'est énorme. Voilà, donc vous avez le lien Discord, n'hésitez pas à venir. Et vous serez accueillis avec grand plaisir. Par exemple, nous, faire des tournois en Rocket League, peut-être sur Valheim aussi, faire des trucs plus tard. Donc, voilà. Alors, même, j'ai l'idée. Bon, on va faire une arène. Hein. C'est possible que ça soit déjà fait, mais s'il y en a qui viennent voir le live, qui s'abonnent et qu'ils disent bah, nous, on est sur Valheim et on a nos constructions perso, moi, je suis d'accord pour visiter vos serveurs et le présenter en live, montrer un peu vos constructions, quoi. Ouh, ça sent le Fantabob Show de l'époque. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il faisait... Non, mais franchement, j'y ai pas pensé, tu vois. Mais c'est une bonne idée, quoi. Donc, parce que c'est vrai que tu peux garder ton perso et aller de serveur en serveur. Et c'est hier, quand Qatar, il est venu sur mon serveur pour regarder un peu, j'y ai pensé, j'ai dit, ouais. Ça pourrait être bien de regarder un peu les constructions des autres, quoi. Donc voilà, ça peut être une idée, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, c'était Nikoko, Qatar, Mike et Gaël. Voilà. Bye bye. Tchou. Ciao ciao. Ciao ciao.